Salut à tous, c'est mon Emily et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo compilation de WhatWhat car aujourd'hui c'est le Pokémon Go Community Day. Quand vous verrez cette vidéo, ce sera peut-être plus Pokémon Go Community Day spécial WhatWhat. Donc j'ai déjà eu un petit magnifique WhatWhat Shiny. Regardez, il est là, il est ici. Et j'ai recréé un compte parce que j'ai perdu mon ancien compte. Regarde comment il est beau le WhatWhat Shiny. Donc j'ai essayé d'en avoir un maximum. Donc je vous fais une compilation de WhatWhat. Donc c'est parti, on va attraper ce WhatWhat. Et petite compilation de WhatWhat. Petite compilation de WhatWhat. Non, j'ai raté. Allez. Un WhatWhat en plus, je suppose, parce que là c'est un super avancé. Donc ça en fait un en plus. Peut-être. Oh non. Ah, il a fui. Bon bah, un WhatWhat qui a fui. C'est parti pour la suite. Avec les bruits de voiture magnifiques, bon, c'est pas très beau. Mais voici le prochain WhatWhat. J'espère qu'il ne va pas partir. Ok, WhatWhat suivant. Troisième WhatWhat de la vidéo. Tac, un WhatWhat en plus normalement. On espère. Il va pas fuir aussi celui-là, non c'est bon. On va lui donner une petite baie. Évite de fuir, petit WhatWhat, s'il te plaît. Tac, joli, là on l'a, c'est sûr. Il y a les motos qui passent parce qu'il fait beau et tout. Oh mon dieu, 4 motos qui viennent de passer là juste devant moi. Donc, nous allons passer au WhatWhat suivant. Enfin, s'il n'y a plus de WhatWhat, donc à tout de suite. Petit Evoli, bon, c'est pas un WhatWhat, mais c'est un Evoli. Et les Evoli, bah, on est dans la bande Evoli, donc il faut qu'on attrape quand même des Evoli. Allez, mon troisième petit Evoli, on va essayer de l'attraper. Sans qu'il fuit, bien sûr. Alors, le petit Evoli. 300 PC d'ailleurs, c'est un de mes meilleurs. Je crois mon meilleur, c'est un Evoli d'ailleurs, hein, 300 PC. C'est un Evoli mon meilleur, je crois. Je suis plus sûr, on regardera après. En fin de vidéo, on regardera, mais je crois que c'est un Evoli mon meilleur. Tac, Evoli supplémentaire. On pourra bientôt faire évoluer un Evoli d'ailleurs. Oh, et un WhatWhat, donc on va pas couper tout de suite vu qu'il y a déjà un WhatWhat. Ok, petit WhatWhat. C'est un normal. C'est un WhatWhat normal. Il n'est pas un Shiny. Ce qui serait vraiment cool, ce serait qu'on obtienne un autre Shiny. Genre deux Shiny, ce serait génial. Donc nous allons passer à la suite hein, vu qu'il n'y a plus de WhatWhat. Attendez. Alors je me suis déplacé un peu parce qu'il y avait deux WhatWhat. Il y avait un WhatWhat, du coup on va se mettre là. Vérifie que les chaises se fassent pas voler. Parce que oui, je me suis mis avec des chaises devant chez moi. Petite chaise sympathique. Donc du coup on va commencer à attraper ce WhatWhat, 108 PC. Petit WhatWhat sympathique. Allez. Il faudrait que ça passe, ça rentre. Il y a toujours les chaises, ça va dans ce cas-là. On va commencer à faire un demi-tour, tout en récupérant l'autre WhatWhat. Parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est que j'ai 3 Pokéstops juste à côté juste devant chez moi. Donc, pour quand il y a des événements comme ça, c'est pratique pour récupérer plein de Pokémon. Et puis même tous les jours, c'est pratique d'avoir 3 Pokéstops juste devant chez soi. C'est cool. Du coup, eh ben, on va continuer à récupérer des WhatWhat dans la joie et la bonne humeur en espérant tomber sur des Shiny. Ce serait vraiment cool qu'on tombe sur des WhatWhat Shiny quand même. Hein. Hop là, est-ce qu'on va réussir à le capturer celui-là? Bon, je crois qu'on l'a. Donc, on se retrouve juste après. Un autre WhatWhat supplémentaire. Mon petit WhatWhat a beaucoup de PC. J'ai fait quoi là avec la Pokéball? Je sais pas. Je l'ai envoyé dans les choux. Elle est partie. Elle a fait oui. Elle s'est envolée. Ça rip la Pokéball. Donc nous allons continuer avec plus de WhatWhat. Toujours plus de WhatWhat. Nous avons 150 moments. Je pense qu'on peut déjà faire évoluer un WhatWhat en Farramp. Mais je pense qu'on va attendre encore un petit peu. Ouais, on va encore attendre.
Attendez, je regarde quand même au cas où il n'y a pas de voiture. Non, il n'y a pas de voiture. Alors, on va faire évoluer mon Watwatch Shiny. Je me suis souvenu que c'est pratique parce qu'il y a une attaque spéciale si on le fait évoluer pendant l'événement. Donc, il est que 144 PC, mais j'espère qu'il va devenir plus fort. Donc, c'est parti, faire évoluer Watwatch. C'est parti, on va voir s'il veut bien évoluer. Regardez comment il est beau. En vrai, il est trop stylé. Ouh, évolution. Ah, j'ai entendu des Pokémon pop. Donc, on va les attraper juste après. Tac. Donc on fera l'énergie, on le fera évoluer encore. Donc juste après, s'il y a des Watwatt. S'il n'y a pas de Watwatt, on ne fera pas évoluer. Allez, l'énergie shiny. L'énergie a été ajoutée au Pokédex. Ouh. Regardez comment il est beau. Attendez. Viens. Regardez comment il est beau. Et du coup, il est passé à combien de PC? 236. Alors, c'est Voltorb. Oh, des énergies. On va les attraper. Alors, du coup... Enfin, pas des énergies, des... Un Watwatt en plus. Ok, c'est bon, Watwatt Shiny. Chaque fois, j'ai stress à me dire, est-ce que ça va être un Watwatt Shiny? Est-ce que je vais crier dans la rue? Est-ce que il va être ultra cheaté et j'aurais fait évoluer mon Watwatt pour rien? Enfin, dans tous les cas, j'aurais pas fait évoluer pour rien. Il y a un petit oiseau, là, qui est ici, qui se balade à côté de moi. Ah, il n'y a rien d'autre intéressant. Allez, Voltorb, parce qu'il est un peu rare, on va l'attraper en vidéo. Il est un peu rare, mais même sur mon gros compte, j'en avais pas beaucoup des Voltorb. Hein. Donc on l'attrape et après on retourne à faire évoluer ce petit l'énergie. Le l'énergie que nous allons tout de suite faire évoluer en farampe, regardez, c'est parti. Et l'énergie évolue. J'aurais peut-être dû prendre un 9 chances. Ça m'aurait donné plus d'XP. Ah mince, j'ai pas réfléchi, j'aurais dû prendre un 9 chance. Du coup, nous avons Faramp Shiny qui va apparaître. Il va être très bon le Faramp Shiny. Normalement. Regardez, 474 PC, t'es pas très haut niveau. Mais regardez comment il est beau, il est magnifique. Et il est passé en deuxième de les Pokémon les plus forts. Donc, on se retrouve pour la suite. L'énergie. Watwatt. Tac, le petit Watwatt. Donc on est de retour là pour regarder ou pour voir si les choses ne sont pas volées. Du coup, le petit Watwatt sympathique. Tac, un petit Watwatt. Qui fait bien plaisir en plus, qu'on pourra faire évoluer aussi. Et il n'y a plus rien. Il y a pas mal de Pokémon, mais je vais peut-être les attraper en off. Allez, on se retrouve pour le prochain Watwatt. Regardez, du coup, vu que j'ai fait évoluer mon Faramp, il a bien l'attaque Dracochoc. J'étais pas Dracochoc, j'étais pas sûr, mais là j'ai vérifié, c'est bon. Aussi, regardez, j'ai eu un bug. Vu que j'ai passé de niveau, j'ai gagné des items. Sauf que, vu que j'avais le sac plein, et ben c'est mes amis quand même. Donc j'ai 394 items sur 350. Donc j'ai, c'est un beau bug, ça. Donc en vrai, et je sais pas s'il sera patché un jour, mais s'il est patché et que ça me retire des items, je voudrais pas trop. Surtout que j'ai eu des bons trucs, quoi. Oh, bah, pas de, des Watwatt qui viennent d'arriver. Et un Evoli. Très bien, l'Evoli. On va essayer de l'attraper après. Mais d'abord les Watts. Et objectif, ce serait cool. Imaginez si on a un Evoli Shiny. Ce serait génial. J'aimerais trop avoir un Evoli Shiny. On serait tellement bien. Genre, ce serait la mascotte de Pokémon Go. Evoli de retour. Ce serait Evoli Shiny. Ce serait vraiment bien. Mais bon, là, faudrait déjà que ce Watwatt se fasse attraper. Pour attraper ce Evoli. D'ailleurs, le Watwatt Shiny que j'ai eu, c'était mon premier Shiny. J'en avais jamais eu avant. Premier shiny sur Pokémon Go. Alors, je vais couper le record et je vous reprends une fois qu'il sera attrapé. Regardez-moi ce nouveau plateau de Watwatt servi sur un banquet. On va les attraper, toujours pas de shiny. Mais ça va venir, on va l'avoir notre shiny. Allez, notre shiny en vidéo, on va l'avoir.
Je suis sûre. Là il y a du son normalement. Mais vous devez plus entendre les voitures que moi, donc j'ai essayé de parler un peu plus fort maintenant pour éviter que vous entendiez les voitures. J'ai transféré tous mes watt-watt, du coup j'ai gagné 50 bonbons, j'en avais attrapé 25, dont un qui était un watt-watt shiny. 25 watt-watt dont un shiny, c'est pas mal en vrai hein. Là il y a un avion qui passe au-dessus de moi, donc vous devez peut-être plus m'entendre, donc j'ai haussé un peu la voix. Ah, on a eu une quête du professeur. Tac, on va récupérer la récompense qui est autre que l'XP, c'est cool. On va pas attraper le Magic Earth maintenant. On va essayer. Ah bon, on va l'attraper en vidéo. Parce que c'est un Magic Earth et Magic Earth pas le droit d'être dans ma vidéo. Allez, un Magic Earth peut l'attraper. Je suis long maintenant d'avoir le Léviator. Hein. Oh non, il y a les bêtes de tonnerre, je déteste ces trucs là, je viens d'en avoir un. C'est parti, là, je vais en avoir des tonnes sur moi. Oh, je déteste ces trucs, c'est horrible. Dès qu'il fait un tout petit peu chaud, t'as toutes les bêtes de tonnerre, elles viennent sur toi, c'est horrible. Surtout quand t'as des vêtements blancs, c'est encore pire. Bon, on se retrouve après, au prochain watt-watt. Watt-watt supplémentaire. Ok, c'est toujours pas shiny, toujours pas. Mais on va l'avoir ce shiny, hein, je vous le dis. On l'aura. On va avoir un deuxième shiny avant la fin de l'événement. Là, je tire n'importe comment. Voilà, c'est bon, c'est touché. Bon, on l'aura, le deuxième shiny. On va l'avoir. C'est moi qui vous le dis. Pas d'autre watt-watt. Pas d'autre watt-watt non plus. Bon, bah alors... transition watt-watt. Un petit watt-watt supplémentaire. Toujours, ça fait toujours plaisir. Donc, on va continuer en attrapant ce watt-watt. Tac. Donc, est-ce qu'on va l'avoir? La question va bientôt être faite. Et c'est bon, on l'a vu. Donc, ça fait un watt-watt supplémentaire, mais toujours pas de shiny. Il viendra quand ce shiny? Bientôt, j'espère. On va l'avoir. Ça, vous pouvez en être sûr. Ah bah il y en a un autre ici, donc on va continuer tout de suite. Avec le prochain watt-watt qui n'est toujours pas shiny. Mais pourquoi vous ne voulez pas être shiny? Je veux mon watt-watt shiny. Je veux avoir ce watt-watt shiny. Je vous le dis, les amis, on va l'avoir. Oh bah c'était rapide. Il y a même pas, la Pokéball a même pas secoué, on l'a eu direct. On peut faire évoluer un deuxième petit watt-watt. Est-ce que je le fais? Je vais peut-être le faire. Bonjour les voitures. Est-ce que je vais évoluer mon watt-watt le plus fort pour essayer d'obtenir un meilleur watt-watt? Allez, est-ce qu'on va faire Ah je sais pas, est-ce qu'on fait évoluer pour avoir un farampe? Bon allez, on verra ça plus tard. On fera évoluer un deuxième watt-watt en shiny, mais ce sera quand on aura déjà un watt-watt shiny. Allez, transition watt-watt. Enfin, même s'il n'y a pas de watt-watt. Mais transition. Enfin, on se retrouve quand il y aura un watt-watt. Voilà, allez. On se retrouve au prochain watt-watt. Écoutez-moi ça. Le truc, c'est que quand je recorde pas, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien du tout. Bon, là, il y a un avion qui passe parce que je me suis remis à recorder. Mais quand je recorde et qu'il y a des watt-watt, il y a toujours plein de voitures qui passent. Par contre, quand je recorde plus, c'est calme. Personne ne passe. C'est la rue est vide. C'est beau. Voilà, c'est juste pour vous dire ça, que bah, vous avez pas de chance, parce que dès que je recorde, et bah, vous avez des voitures qui passent. Méchant les voitures. Bon, et juste avant, je me suis emmêlé dans mes mots, je sais pas ce que je vais faire. On se retrouve au prochain watt-watt. Prochain watt-watt, il est ici, donc on va cliquer dessus. Et qu'est-ce que nous allons avoir? Un petit watt-watt tout simple. Basique, un petit watt-watt, tout simplement, watt-watt. Pas de shiny, mais regardez quand je reprends toutes les voitures qui passent, bien sûr, comme d'habitude. Parce que dès que je reprends, il y a des voitures qui passent. Comme je vous l'ai dit juste avant. Mais bon, nous avons eu ce petit watt-watt, donc c'est tout ce qui compte. Donc nous allons continuer à attraper des watt-watt. Il n'y a plus de watt-watt. Normalement, il n'y en a plus. Non, il n'y a plus de watt-watt. J'irai peut-être attraper le Pikachu, s'il est toujours là.
tout à l'heure, j'irai peut-être l'attraper. Bon, du coup, on se retrouve au prochain What What. D'ailleurs, tant que j'y pense. Ah, attendez, on refait parce que ça fait n'importe quoi. D'ailleurs, tant que j'y pense, du coup, merci beaucoup. Car nous sommes 29 abonnés sur la chaîne. Bientôt les 30 abonnés. Donc, vraiment, 30 abonnés, c'est un cap, même si, bon, c'est pas tant que ça par rapport à PewDiePie, par exemple, qui a plus de 50 millions d'abonnés. Mais bon, 30 abonnés, c'est déjà beaucoup. Donc, continuez comme ça. J'espère qu'on va vraiment grandir et qu'on va devenir de plus en plus. Les débuts sont compliqués, mais je suis sûre que à partir du moment où on aura commencé à dépasser les 50 abonnés, je vais commencer à progresser de plus en plus sur YouTube. D'ailleurs, l'anniversaire de la chaîne, c'est le 20 juillet. Donc, je vous ai avoir une grosse surprise pour l'anniversaire de la chaîne, vraiment. Je vous prévois un truc, ça fait 5-6 mois que je le prévois, ce cadeau pour vous. Vous allez voir, ça va être génial. Je pourrais vous donner. Tiens, je vous donnerai des indices sur qu'est-ce que c'est le cadeau. Qu'est-ce que c'est que le cadeau quand à chaque fois qu'on passera un palier. Les 5 ans, je vous donnerai un indice. Chaque palier, je vous donnerai un indice sur quel est le cadeau des 2 ans. À moins que on ne passe pas les 40 abonnés avant les 2 ans. Je sais pas. Mais en vrai, vous allez voir, c'est quelque chose de magnifique. On a beaucoup travaillé avec Evola et tous les autres pour créer ce cadeau. J'espère qu'il vous plaira. Hein. Quand je parle des autres, je parle bien sûr de Mafia Squad, le QG Gaming, UGZ et tout. On a passé beaucoup de temps sur ce cadeau. J'espère qu'il vous plaira. Donc, on se retrouve juste après. Pour le prochain What What, bien sûr. Watt suivant, il est ici, il est beau. Est-ce que c'est un shiny? Ce n'est pas un shiny, c'est magnifique. Le pire, c'est que mon shiny, je lui ai même pas dit Watt Watt. Là, ça va être le 40e Watt Watt que j'attrape. J'en ai toujours pas eu un deuxième shiny. On dit Watt Watt, j'ai un shiny. Par contre, après, j'en ai plus les shiny. Hein. C'est dommage. Ils sont tellement rares, mais ils sont tellement beaux, les shiny. J'aimerais tellement en avoir un de plus. Bon, d'ailleurs, vous pouvez voir, il y a un raid légendaire qui se prépare à côté. Donc il y a beaucoup de Pokémon d'ailleurs dans cette arène, hein. On ira peut-être se le faire le raid, même si je pense qu'on pourra pas parce que j'ai pas d'assez bons Pokémon en fait. Oui, je vais pas aller me faire un raid légendaire avec mes 3 Pokémon 400 PC. Bon, on se retrouve au prochain Watt Watt. Les Watt Watt sont de retour, toujours là. Là on en a un, je vais essayer de faire en sorte qu'on l'attrape. Mais je lag un petit peu. Et deux autres Pokémon, je sais pas ce que c'est. Erreur de réseau. Non, reviens Watt Watt. On a perdu un Watt Watt, il y a des pop. Il va revenir après. C'est un Mimitos ici. Ok, le Watt Watt est de retour. Oh, on a deux Watt Watt. Je récupère celui-là et je récupère l'autre. Alors, un petit Watt Watt. Toujours des Watt Watt, de toute façon on est là pour récupérer des Watt Watt. C'est une vidéo spéciale Watt Watt. D'ailleurs, petit défi, comptez dans les commentaires combien de fois j'aurais dit Watt Watt. Vous avez le droit de compter celui-là. J'ai envie de savoir combien de fois j'aurais dit Watt Watt dans cette vidéo. Hein. Ça peut être rigolé. Ça peut être rigolo. Pas rigolé. Ça peut être rigolo. Encore un autre Watt Watt. Ça va en vrai? Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais j'essaierai peut-être de compter moi derrière, mais pour savoir si vous avez trouvé le bon nombre. Mais en vrai, je sais pas combien j'ai compté de Watt Watt, et combien j'ai dit de Watt Watt dans cette vidéo. Bon, Watt Watt s'est enfui. Encore Watt Watt. Toujours plus, on veut pas arrêter. Niveau 11, je sais pas combien de niveaux j'aurais gagné avec cet événement, mais j'en aurais gagné des niveaux. Hein. J'en aurais gagné des niveaux. Bon, on va en déplacement, on va essayer d'aller ici. Pour récupérer des Watt Watt, s'il y en a, j'espère. Normalement, on devrait y en avoir. Donc, on se retrouve au prochain Watt Watt. Alors, je vous reprends pour marcher un petit peu parce que je pense qu'une fois que l'événement sera terminé, si la vidéo est pas trop longue, même si je peux pas voir combien de temps elle dure, on ira marcher un petit peu pour récupérer peut-être des Pokémon. Si on a des rares, je vous le filmerai. Si on n'a pas les rares, je vous le filmerai pas. Mais aussi, surtout pour faire éclore les œufs parce que j'ai une quête qui est de faire éclore 3 œufs. Oh, bah, Watt Watt. Du coup, on va le capturer tout en se baladant, tout en avançant, on va le récupérer, ce Watt Watt.
un petit Wattpad supplémentaire. Peut-être attendre voir si on n'a pas d'autre. Il va y avoir Magnéti aussi, mais je ne l'ai pas Magnéti. Je le prendrai peut-être plus tard. S'il est encore là. Et ce n'est pas un Wattpad, donc on peut y aller. Alors, est-ce qu'il y a des Wattpad? Y a-t-il des Wattpad à cette église? Car c'est une église, ce Bodhisattva. Donc, oh, un Wattpad. Ça commence bien, j'ai envie de vous dire. Ouh. Les motos, elles vont ultra vite. Hein. Elles font beaucoup de bruit. Bon, alors, est-ce que on va trouver un Wattpad shiny? Est-ce que c'était la bonne technique d'aller à l'église? Est-ce que les Wattpad shiny sont à l'église? Est-ce qu'ils sont quelque part, les Wattpad shiny? Je ne sais pas, nous allons le voir. En vrai, j'ai encore 2 heures, je pourrais en mettre un sur l'église. Il y a un Evoli, ça je le sais. Je l'ai vu. Il est beau le Evoli, regardez. Bon, si tu veux bien te faire attraper. Bon. On va se mettre là. 353 PC. On va aussi une évolution d'Evoli du coup. Vu que là, je pense que j'ai assez de bonbons Evoli. Ou genre, j'en transférerai un ou deux. Et ça ira. Mais normalement, on fera une évolution. Ouais, regardez, c'est parfait, on a pile ce qu'il faut. Bon, est-ce qu'on peut tourner le... ça? Non, bah oui, bah bien sûr, mon sac est plein. J'avais oublié ce petit détail. On va retourner là-haut. Il y a toujours des Wattpad partout. Hein. Regardez le nombre de Wattpad qui est encore sur mon radar. Et l'événement, je sais pas, il a commencé à quelle heure, mais il va bientôt se terminer, je crois. Parce qu'il a commencé vers 11h. Moi, j'ai commencé à le prendre vers 11h30. 6h39, il est 13h08, donc s'il a commencé à 10, non, s'il a commencé à 11h30, ça se termine à 13h30, ou à 14h30, je ne sais plus, attendez, s'il a commencé à 11h30, il se termine du coup à 14h30, non, oui, 14h30, non, en fait, ça va, il nous reste une heure, il nous reste une heure pour récupérer un max de Wattpad. D'ailleurs, je vous reprendrai quand si on est encore là, si je suis encore attrapé des Wattpad pendant que le raid il arrive, je vous filmerai le raid qui apparaît. Regardez, il y a un Wattpad, il est apparu. On va aller récupérer ce Wattpad. Une prise de Wattpad. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai pas coupé le record? Je ne sais pas, c'est pour faire durer un peu la vidéo. Est-ce que c'est un Wattpad? Non, c'est un Ponyta. On va l'attraper quand même. Parce qu'il est stylé. Tac. On se retrouve pour le prochain Wattpad. Au prochain Wattpad, on reprend. Donc, à tout de suite. Pour ceux qui se demandent, j'ai eu le Ponyta. Mais nous avons le prochain Wattpad, qui n'est toujours pas shiny. Oh, mais nous avons bien fait d'attendre parce qu'il est plus fort que mon Wattpad le plus fort. Qui était à 214 ou 210. Là, il est à 270. Donc, dans tous les cas, c'est mieux. Je me souviens qu'il était dans les 210. Mon ancien Wattpad le plus fort. Donc, nous avons un Wattpad encore plus puissant. Qui est prêt à en découdre. Oh, un Carapuce! Celui-là, je le laisse en vidéo. Carapuce, c'est un starter. D'ailleurs, ça fait 3 jours que j'ai repris Pokémon Go avec ce compte. Et j'ai déjà tous les starters parce qu'on double. J'ai 2 Carapuces, 2 Bulbizarre ou 1 Bulbizarre et j'ai 1 Salamèche. Et j'ai 3 Pichu. J'ai 3 Pikachu d'ailleurs aussi. Ils sont beaux mes Pikachu. Mais j'en ai eu 3 en 2 jours. C'est pas mal, on va être en 2 jours. Bon, tu vas rentrer le Carapuce là. Tac. D'ailleurs, vous pourrez me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos Pokémon Go. Parce que c'est la première en vrai que je fais de vidéos Pokémon Go. Donc si les voitures veulent arrêter de venir, me dire si vous en voulez plus ou si vous en voulez moins. Je ferai selon vos demandes, mais même si vous en voulez un peu moins, j'en ferai un petit peu de temps en temps quand même, parce que Pokémon Go c'est cool. Genre pour les Pokémon Go Community Day, normalement je vous ferai une vidéo à chaque fois, peut-être, si j'oublie pas qu'il y est ou si je joue toujours à Pokémon Go, je vous ferai normalement une vidéo. Donc on se retrouve au prochain Wattpad.
Oh mon dieu, oh, il est enfin là, le retour, le What's Up Chaney. En plus, le pire, c'est que j'ai appuyé dessus avant de vous reprendre. Donc, j'aurais dû reprendre avant d'appuyer dessus. Ah, mais il est là, le What's Up Chaney. Enfin, un petit deuxième. Et il y a un autre What's Up derrière. Donc, s'il y a deux Chaney d'affilée, en vrai, ce serait trop stylé. Imaginez. Attendez, déjà, faudrait pas qu'il parte. Hein, je veux pas qu'il parte. T'as pas intérêt à fuir. C'est le deuxième What's Up Chaney, c'est magnifique. J'aurais peut-être dû le prendre en photo aussi. Ah mince, je l'ai pas pris en photo. Ah bon, bah trop tard. C'est pas grave, on a un deuxième One Shot Chaney, c'est génial. Du coup, on va attraper le deuxième One Shot. Ah, ok, c'était pas un Chaney. Vous imaginez, c'était un deuxième Chaney, genre deux Chaney d'affilée qui pop en même temps. Ça aurait été trop bien. Ça aurait été cheaté, mais ça aurait été trop bien. Deuxième Chaney de la vidéo. Lâchez un petit pouce bleu si vous hein, pour ce Chaney. Vous êtes pas obligé, mais si vous voulez, lâchez un pouce bleu pour ce Chaney parce qu'il était magnifique. Il est arrivé au moment où on s'attendait le moins. Et vraiment, c'était beau. Il était vraiment beau ce petit Chaney. Ah, je crois que j'ai encore bugué. Bon, bah, je vous reprends en pro. Ah, bah, il s'enfuit. Bon, bah, je vous reprends au prochain What What. Alors, je n'ai plus de place dans mon téléphone, donc du coup, on va s'arrêter là. Donc, j'espère que cette vidéo chasse de What What vous aura plu. Si vous a plu, laissez un like, un commentaire. Et on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde! Et n'oubliez pas, un What What Chaney, c'est bah, trop stylé. Même si on en a eu deux. Et en plus, c'est le dernier What What qu'on aura attrapé, c'est un What Chaney. Bon, bah, bye tout le monde!